Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous cuisiner du poulet au maroilles. Donc j'ai acheté des ingrédients pour 6 personnes. Donc il vous faut 5 filets de poulet d'environ 140 g chacun, 30 g de margarine, 12 cl de bière. Donc moi j'ai choisi de la bière ch'ti, mais vous pouvez prendre n'importe quelle bière qui puisse exister. Un oignon, 40 cl de crème épaisse, une cuillère à soupe de moutarde, 200 g de maroilles, du sel et du poivre. Pour le matériel, il vous faut une planche à découper, un couteau à fromage et un couteau à viande et une poêle. Dans un premier temps, il faut couper les blancs de poulet en fines lamelles. Donc après avoir coupé en morceaux vos filets de poulet, on va émincer l'oignon. Et je pleure même pas. Ah bah si, je pleure. Après avoir coupé le poulet, émincer l'oignon, on va s'occuper du maroilles. Alors le maroilles, il faut le couper en tout petits dés et laisser sa croûte. Et même que c'est trop trop bon. Donc dans un premier temps, je fais chauffer ma poêle. Donc une fois la poêle chaude, je prends ma margarine. Je la mets dans la poêle. Donc 30 grammes. Hein, et je laisse fondre. Alors une fois le beurre fondu, on met bien le beurre sur tout le fond de la poêle. Je prends mon poulet coupé en morceaux et je le fais revenir dans la margarine. Juste revenir hein, parce qu'il va cuire après. Donc une fois le poulet un peu blanchi mais pas cuit, on le remet dans le plat. Alors une fois le poulet retiré de la poêle, je fais revenir mes oignons. Donc ensuite, une fois avoir fait revenir les oignons, nous allons replacer les filets de poulet dans la casserole. Ensuite, nous allons prendre les 12 cl de bière que nous allons arroser. Le sel, le poivre. À votre guise, on pourra toujours goûter à la fin pour voir si ça nous va. On va laisser cuire environ 5 minutes. Voilà, avec la bière, pour que le poulet prenne bien l'odeur de la bière. Une fois les 5 minutes passées, on enlève le couvercle, on remue. On verse les 40 centilitres de crème et je viens rajouter mon maroilles.
et je laisse fondre le maroilles sur le poulet. Après avoir laissé mijoter 10 minutes, voilà le plat enfin terminé. Donc si vous aimez les champignons, vous pouvez en rajouter. Sinon, vous pouvez accompagner ce plat de frites, de salade, de pâtes ou de riz. En attendant la prochaine recette, je vous dis à très bientôt !